Aujourd'hui, je veux devenir le samouraï ultime de Roblox. On va devoir frapper un maximum, avoir des katanas légendaires pour devenir quoi, Shawen? Des samouraïs. Si toi, derrière ton écran, tu veux devenir un samouraï, eh ben n'hésite vraiment pas à t'abonner à cette chaîne. Il faut qu'on rush les 200 000 abonnés, bordel. Qu'est-ce qu'on doit rush, Shawen? Les 200 000. Si tu veux apparaître à l'écran et faire partie de cette magnifique liste, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est y part. Shawen, il va falloir qu'on s'entraîne parce que là, logiquement, vu l'appel que j'ai fait, on risque d'avoir 200 000 abonnés. Et malheureusement, Shawen, quand on a 200 000 abonnés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit devenir les samouraïs les plus forts. Et ça, les mecs, pour le faire, ça va être simple. On a rejoint un jeu pour devenir des samouraïs de l'extrême. Et là, Shawen, elle commence à venir. Il va falloir qu'on s'entraîne. Là, les mecs, je vous le dis, dès le début, on ne fait qu'une bêtise. Directement, on s'entraîne. Allez, frappe-moi ça, là. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Tu m'expliques ou quoi, là? Comment c'est que tu m'as dépassé alors que j'avais beaucoup plus que Watt? Dépassé de quoi? Tu sais que t'es juste à côté de moi, là, frérot. J'aime pas ce qui se passe, donc vous savez quoi? Voilà. Quoi? Là, je préfère d'un coup. Je préfère beaucoup mieux d'un coup, là. Oh, le chat de la casse, t'es vraiment chat de la casse. Tu fais le Mario. Non. Moi, les mecs, on m'insulte pas. Un homme qui a 200 000 abonnés ne se fait jamais insulter, les mecs. Donc, vous savez quoi? Ça va être clair. Je vais affronter, le premier. Bah, voilà, le premier. Le noob. Le mec le plus facile. Donc, attends, pour l'affronter. Mais attends, il faut 100. Non, mais pourquoi? Mais non, mais c'est ridicule. Ce que je viens de faire, c'est ridicule. Tu peux clairement m'insulter, chat. Ouais, je te le dis direct. Ah, mais t'es un chat de la casse. Je te le dis, hein, frérot. J'ai pas besoin de toi. Hein. Oh là là, je viens de découper un clown magnifique. 4 gemmes. Attends, ça serait pas par rapport. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Non mais... Et après il ose venir me reprocher des choses. Il ose. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a le nulos? Non mais je vraiment là ce que t'as rage? Bah un petit peu, tout de même un petit peu. Après là les mecs, regardez-moi ça. J'ai ouvert deux pets, deux baby noobs. Donc là ça veut dire que les mecs, on a un multiplicateur du 2,80. Tu quoi? Fais attends, c'est trop. Bah tu fais combien quand tu frappes? Moi en vrai je gagne du 6 par 6 hein. J'aime bien. Bah honnêtement là je pense que je vais bientôt faire plus que toi, ah, non. Je désolé de te le dire. Pardon, 36. En fait je tapais un peu à côté en fait. Donc c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux te dire? Non mais en fait Lynette là, ce que t'as peur de comprendre, c'est que là actuellement je vais te battre dans pas très longtemps là actuellement. T'es au courant que je n'ai toujours pas fait ma roue de la fortune que je vais faire exactement dans quelques secondes et je vais obtenir quoi les mecs? Attention, regardez-moi ça, 35%. Non, mais Shawen, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il veut le nulos? J'ai eu 35. Bah attends, non mais il y a un bug. Ce jeu est un jeu de clown. Par contre attends Shawen, comment on sait à quel pourcentage de puissance on peut battre un mec? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Pourquoi tu bouges pas là? Arrête le téléphone, on est en train de faire de la bien. Regardez-moi ça. Mais moi, je suis pas sur le téléphone, Daniel. Non, téléphone. Bah, j'ai rien à faire là, Daniel. Moi, j'ai pris un pet à 25%. Voilà, hop, je vais le foutre. Je vais m'acheter. Je vais m'acheter un pet à 450. J'en ai rien à faire. Je vais économiser. Je vais te battre. Voilà, tu veux faire le mec? Mais tu veux faire le mec depuis le début? Y'a pas de problème. Mais je vais affronter le mec extrême. J'ai 6 000 à 40 000. J'ai perdu. Je m'avoue vaincu. Bah, normal, t'es mauvais. Au bout d'un moment, faut se calmer, Daniel. Quand t'es nul, il faut que t'assumes en fait. Il faut assumer sa nullité. Ok, je peux battre l'espèce de fermier. Donc, peasant, j'ai l'impression que ça veut dire un peu fermier. Et j'ai gagné 50 trophées. Ah, mais donc ça veut dire qu'on va pouvoir rush le balbaï à 450 facilement. T'as combien de trophées? 300. Bah actuellement je suis à 300 hein, et donc du coup là j'ai bientôt les 450 frérot. Je disais de te le dire, je vais te destroy. Voilà, au bout d'un moment il faut se calmer, au bout d'un moment il faut que tu réévalues ta nullitude en fait. C'est bon, tu viens de te faire tuer par le mec? À zéro moment, à aucun moment Lined. Personne ne m'a battu hein, depuis le début de mon histoire Lined. J'ai l'impression que je te vois souvent tomber en arrière hein, quand t'affrontes le mec hein. Dans ma caméra c'est ce que je vois en tout cas hein. Bah moi aussi c'est exactement ce que je vois et pourtant c'est faux. Donc il faut arrêter de se fier aux fake news. Oh. Moi je vais prendre mon petit pet. Via les gemmes, voilà. Via les gemmes, on peut acheter des katanas. Ok, donc. Bah donc c'est forcément incroyable. Tu te doutes bien. Non, toi tu fais du combat par combien là, Ined? Par petit quand je clique, je fais du 6, mais j'en ai rien à faire parce que les mecs, petit pet à 450, j'ai eu le pire. Voilà, j'ai eu le pire. Je sais pas, t'as eu quoi? T'aurais eu un truc légendaire, tu l'aurais forcément dit, donc t'as forcément le truc le plus nul. Ouais non, j'ai un truc uncommon, peut-être, un truc comme ça. Tu fais du combat par combien là, Ined? Oh le chien, il est en train de. C'est vraiment un chien. Il est en train de frapper le bail à 15 000. Même moi je peux même pas y aller. Wesh! Oh ta puissance! Quoi? Comment t'as fait? Ma puissance elle est tout à fait normale. Non, y'a un problème. Que tu parles, mais okay. Je sais pas, je suis beaucoup trop fort Lined. Non mais quoi? T'as juste ramassé le truc, t'es vraiment un tricheur, t'as juste pris le cadeau. Ah mais même pas. C'est quoi le cadeau? Bah ça donne 25 000. On comprend pas de quoi tu me parles. Non, mais là, ah bon, t'as un cadeau à 25 000? Oui non mais en fait là, ça veut dire que tu vas me destroy. Mais calme-toi Bilout, au bout d'un moment, Lined, si je suis meilleur que toi, c'est juste parce que je suis plus fort. En fait, tu comprends pas le fait que c'est un jeu skillé. C'est un jeu qui a besoin de skill. Ouais mais c'est quelque chose que tu n'as pas Lined. Oui ok, mais là je suis en train de faire une stratégie plutôt stratège. Je sais exactement ce que je vais faire pour pouvoir pulvériser Shawen. Ils sont payés, hein. Ah, c'est quoi du coup ton truc? Tu te doutes bien que je vais absolument jamais te le dire. Tu te doutes bien. Allez les mecs. Eh ben ne me le dis jamais, Lainet, tu sais pourquoi? Bon, il y a un mec qui a voulu me traîner, il m'a envoyé. Je peux pas dire pourquoi.
Pardon. Oh non, t'as oh non, il trade les gars. Mais t'es le premier à vouloir trade. Je suis sûr que t'as demandé des trades toi aussi. La tête de ma mère, j'ai pas demandé de trade. Les gars, Lionhead est actuellement en train de tricher et il veut me faire culpabiliser. C'est un manipulateur, un grand manipulateur. Je m'en fous parce que là les mecs, je suis en train de faire ma technique qui va me permettre d'être quelqu'un de légendaire et ça, il saura jamais comment je l'ai fait et ça les mecs, c'est magnifique. C'est parti. Oh, j'ai un Bayra. C'est un échange tout simplement. La vie de ma mère que non, la tête de Ham que non. J'ai eu un pet des plus rares. Par contre, attends, tu vas pas me dire que c'est l'entraînement le plus puissant, le truc à 15 000 de machin là quand même. Mais évidemment, évidemment Lionhead, tu peux pas aller plus loin. À part si tu vas dans le prochain monde, mais je sais même pas s'il y a un prochain monde en vrai de vrai. Bah, est-ce qu'il y a un prochain monde Lionhead? Oui, il y a un prochain monde, mais je pense qu'il va nous falloir comme dans tous les genres de jeux un petit peu comme ça. Je pense qu'il va nous falloir 10 000 de comment ça s'appelle de trophées. En vrai, je pensais ça. C'est quoi pour l'affronter lui? T'es sûr ou tu dis des petites bêtises? Ah, je dis oh non mais on va jamais le battre lui. Bah voilà, je suis mort. C'est un taré ce type. T'es mort? Bah, t'es mort? T'as combien de puissance toi? Moi actuellement j'ai 200 000. Et toi? Wesh, ça va pas se passer comme ça. Mais non, quoi? Mais t'es un tricheur. Qu'est-ce que? Mais t'es un tricheur né. Non mais les mecs, vous avez vu? En quoi Lionhead? Mais t'as 200 000, j'ai 80 000. Et donc? Mais ça, c'est parce que je suis meilleur que toi ça. Mais tu te rends compte de la sauvagerie que t'es en train de me dire là? T'es en train de tricher ouvertement devant mes yeux. Et moi je peux même pas parler. Oh il a 4 000 trophées. Tu me saoules Lionhead, tu me saoules. Je vais changer de monde. C'est combien pour changer? C'est combien? Ah bah 15 000 win. Je vais avoir du taf. Je vais avoir du taf. Je te le lis. Bah en fait non, c'est pas du taf parce qu'en fait on va devoir faire exactement la même chose en boucle. Oui bah ça reste quand même du taf. Je suis désolé quand ton daron il fait le caissier, il fait la caisse pendant 10 ans, mais il travaille, hein, même s'il fait tout le temps la même chose. Bah non, parce qu'en fait il passe des articles différents, des PlayStation 5, des légumes. Or que nous on frappe vraiment le même mec tout le temps. Y'a rien de drôle, hein. Oui bah d'accord, mais des fois quand t'es à Micromania, tu vends les mêmes jeux, enfin bon, tu arrêtes de me saouler. Oui, tu vends les jeux, tu peux les vendre et tu peux les acheter les jeux. Bah, tu peux les vendre, tu peux les acheter. Lionhead, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement là ton jeu de samouraï là, je vais le détruire. Et puis secondo, je vais dépasser tout le monde et je vais changer de monde là. Tu sais qu'actuellement je suis à 7600 de win. Chose que tu n'auras jamais de ta vie puisque tu es extrêmement nul. Frérot, j'ai bientôt 2000 gemmes. Et 2000 gemmes, les amis, vous êtes pas bêtes. Ça signifie nouveau katana. Comment ça, katana? Mais on peut acheter des nouveaux katanas. On est des samouraïs. Tu veux pas rester nul quand même dans ta vie quand même. Oh non, mais attends, mais comment c'est possible que t'as 2000 gemmes là, Inès? J'ai pas 2000, j'ai 1400. On gagne 100 par 100 quand on affronte. Mais je gagne 100 gemmes par 100 gemmes quand j'affronte le mec là. Tu sais que l'aide, on voit ta force. Hein. Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Je gagne 100 gemmes par 100 gemmes. Ma force n'a rien à voir avec ça. Oh les gars, je vais pleurer. Non mais les gars, je vous le dis la vérité, je vais pleurer. Je vais pleurer. T'as dit 15 000 ou 15 350? Si les mecs, c'est 15 350, je... Oh, attends, defeat? Mais comment ça, defeat? Je l'ai explosé. Nouveau monde, les mecs. Attends, Anib Noob Ninja, Seigneur Fouedal. Tu me laisses parler aux abonnés, je suis en train de leur présenter un monde que tu n'auras sûrement jamais accès, mon petit Shaoun, ok? Mais jamais accès de quoi? Tu sais que là, actuellement, j'y vais, là. Actuellement, j'arrive, hein. Bah oui, mon petit bichon. Attends, est-ce que lui, je l'affronte? 300 millions, Shaoun. Ah oui, bah oui, on s'amuse. Ouais. Bah tu vas te faire détruire, hein, je te dis direct, hein, le Seigneur Fouedal, je sais pas ce que ça signifie, mais tu te doutes bien que je peux simplement démarrer le noob. Et même le noob, je démarre même pas si on part du principe qu'on doit vraiment être au même nombre de forces. Allez, c'est ciao. Ouais, et donc ça veut dire quoi ça, Lionhead? Ça veut dire qu'il faut farmer. Va falloir farmer sacrément là. Ah ouais, mais farmer beaucoup. Moi ça me paraît mystique ça. Mais t'as quoi une force? Bah pas beaucoup actuellement, j'ai 2000. Ah mais c'est vraiment nul. Mais t'as honte de rien. Mais je suis catastrophique. Mais comment ça, 2000, t'es un menteur? En fait, mais la tête de la mère que j'ai 2000 actuellement. Mais me dites pas qu'il a rebirth. Oh là là. Let's go, il est trop bête. Let's go, les gars, il est trop bête. Mais ça sert à quoi de rebirth? Non, mais vraiment. Là, en fait, tu n'as même pas attendu de changer de zone pour rebirth. Du coup, là, t'es bloqué. Et donc? Ah, t'es bloqué. Donc, c'est quoi le rapport là, frérot? Ah, t'es bloqué maintenant. Je suis pas bloqué. Parce qu'en fait, quand tu rebirth, bah, tu payes pas les trucs. Ok, bah, ça va être clair. Je vais affronter un mec 40 millions. Attendez, mec, je suis en dessous des 50%. Ok, il va falloir cliquer. Non, mais là, par contre, ça sert à rien de venir. Tu vas rester bloqué à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie dans ton monde là. Est-ce que t'as pas l'air de comprendre, Lionhead? La petite chose que je comprends pas. Oh là là, 30 000 win. 30 000 win d'un coup. C'est nul. Lionhead, tu te rends pas compte, Lionhead, que sans Rebirth, tu ne gagneras jamais? Tu ne le sais pas? Bah, pourquoi je suis meilleur que toi de A à Z? Attends, petit pet qui donne x8,5. Vous en pensez quoi, les mecs? Bah, j'en pense que c'est plutôt pas mal. En vrai, t'en penses quoi? Est-ce que tu connais le proverbe samouraï, Lionhead? Bah, pose ce que je connais. Celui qui Rebirth n'a pas de niveau. Oui, bah. Celui qui Rebirth a le niveau. Mais je m'en fous. Attends, est-ce qu'on perd absolument toutes nos wins quand on Rebirth ou on peut Rebirth plein de fois? Rebirth, mais 40 milliards de fois. Attends, ok, Rebirth. Ok. Ça leur dure. Mais t'es pas dans... Bah, ah mais je rebirth plein de fois. Non mais les mecs, en fait on apprend pas au vieux singe à faire la grimace, hein. Oh là là. Oh, il est finito. Oh là, il est dead. Non mais là t'es finito. T'as combien de rebirth? Mais j'en ai beaucoup, frérot. T'as combien de rebirth? Bah, je peux pas voir, mais attends. T'as combien? Bah, mon rebirth maintenant il coûte 25 000 win. Ok, donc du coup. Attends, mais par contre, me dis pas que je suis bloqué ici à l'infini maintenant. Mais t'es vraiment un chien. Ah bah si. Ah les gars, j'ai trollé Lionhead. Il a cru qu'il allait aller dans les autres mondes, et maintenant frérot, tu vas retourner ici, tu vas
faire tourner au bercail comme tout le monde. Mais t'es d'un ridicule. Qu'est-ce que c'est beau la vie. Mais t'es super ridicule. Bah, ridicule au bout d'un moment. Après, regardez-moi ça, il est encore en train de farmer. Oh, t'es une mandibule. Eh, hey, l'idiot, il farme. Mais par contre, pourquoi t'as que deux pets? Prends des pets meilleurs. Demande même des pets au mec le plus fort du jeu, bordel. Mais tu me prends pour qui, toi? Tu crois vraiment que je vais demander des pets au mec le plus fort? En fait, moi, je suis pas comme toi à me faire entretenir. Hein. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de tuer un samouraï pour devenir un samouraï. C'est le dicton, ça, les mecs. Non, j'aime bien, c'est vrai, ça peut être une bonne idée. Par mais contre, bon, quand tu me diras le dicton samouraï, bah, ok, super. J'ai pas apprécié ce que tu m'as fait faire. Le fait de me dire, t'inquiète pas, Lynette, on garde ses wins, on peut se rebarrer, en sachant que t'en sais rien. J'ai écouté, en fait, c'est comme si tu me conseillais sur les Lamborghini en sachant que tu roulais en Twingo. T'as pas à me conseiller sur les beaux moteurs, t'en connais pas les beaux moteurs. Tu connais le proverbe samouraï sur les moteurs? Non, en tout cas, moi, ce que je connais, c'est que là, j'ai bientôt. C'est gênant. En tout cas, moi, ce que je connais, c'est que là, j'ai bientôt les 15 000. Donc là, je le tue encore une fois, en sachant que toi, t'es encore en train de farmer. Tu devrais peut-être te battre. Non mais donc ça veut dire que là je dois découvrir le jeu tout seul. Tu veux même pas me rejoindre. Non mais en fait Lynette, est-ce que tu connais le proverbe samouraï des galipettes? Allez vas-y. Allez, moi je connais. Oui bah moi je connais le proverbe samouraï on se barre et on est mieux quand on est plus chez soi, voilà. Oh on peut faire des 1v1 en plus hein. Viens me 1v1 c'est un bonhomme Lynette. Mais toi viens me 1v1 dans ma zone. Mais viens dans ma zone, bordel, t'as combien de win? Les gars il a peur de 1v1. La vie de mer qu'il a peur de 1v1. T'es un malade mec. Arrête parce que t'es très belle, j'ai vérité, beaucoup d'ego. Les samouraïs, les yakuza ont beaucoup d'ego hein. Ah non bah justement c'est des gens humbles, c'est pas des gens comme toi. C'est pas des petites princesses comme toi hein, qui payent dans le jeu d'ailleurs. Bah je suis humble donc ce que tu dis c'est pas grave. Je suis une petite princesse qui paye dans le jeu. Et j'ai pas payé, on m'a donné. On t'a donné ça, tu vois, j'y crois moyen. J'y crois très très moyen, honnêtement. Je suis honnête avec toi. Tu vois, moi je suis un français donc je parle France franco quoi. Vous savez quoi les mecs, ça va être simple. Je vais simplement farmer en boucle et je vais carrément changer de monde encore une fois. Parce que là tu fais le mariole. Tu vas même plus me voir en fait. Tu vas plus me voir, rien, je te vois maintenant déjà. T'arrêtes de tu vas te calmer, tu viens me revenir. Tu vas me revenir, monsieur, je suis plus fort. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec que deux pets, tu peux en équiper 4. Mais tu connais pas le proverbe samouraï des deux pets. Tu m'énerves avec tes proverbes là. Je connais même pas mes verbes irréguliers, tu vas me parler de proverbes. T'as 85 millions, les gars, j'ai 2 millions de puissance, je vais le battre. Allez, viens par là, Lynette. Mais tu veux vraiment que je te découpe la carotide ou quoi là? Ouais, tu vas me découper la carotide. Je vais te faire un étranglement, tu vas rien comprendre. Allez. C'est bon. Non, mais attendez. Non mais là on avait pause les mecs. Vous allez vous abonner à cette chaîne à partir de maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce que là quand je vais malheureusement découper ce petit Shawen, je vais lui enlever son chapeau et je vais me balader avec son crâne comme ils se sont baladés avec le crâne de Louis XIV. Le proverbe samouraï. Allez va te battre là. Va te battre que je te... Allez viens par là frérot. Ah. Allez vas-y. Poster au deuxième. BAM. Let's go les mecs. Let's go les mecs. Magnifique. One-shotted. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu de tricheur? Hein? Normalement on devrait être à force égale. Normalement ça devrait être automatique. Bah non. En fait les mecs, en fait c'est comme si tu t'appelais Ronaldo, t'étais super fort au foot et tu faisais un 1v1 contre un enfant pas très fort. Et l'enfant il disait c'est pas normal, Ronaldo tu devrais être nul quand tu joues contre moi. Bah non. Bon tu farmes ou pas? Oui je vais farmer. Non farme avec en fait, les petits. Moi je suis pas un mec qui se force, tu vois. En fait pas les choses. Non mais ma moi vie. Ce qui m'énerve c'est qu'en fait t'es au même endroit que moi. Bah normalement c'est normal parce que je suis meilleur que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok mais tu gagnes combien quand tu frappes? Actuellement je frappe 0. Voilà, donc autant te dire que ça fait mal. Bah moi je fais du 160 000 et j'ai l'impression que ça n'avance pas. Eh ben moi je fais du 200 par 200, donc autant te dire que j'ai l'impression que ça avance encore moins. En fait, actuellement, le seul moyen pour que j'aille le plus loin possible. Ok, bah le mec à qui j'ai demandé des trades tout à l'heure, il m'a fermé la porte au nez quoi. Ouais bah normal parce que monsieur le lèche-bot, il s'est fait avoir et donc là maintenant il a le seum. Il m'a rien donné en fait. Bah c'est ton problème frère, au bout d'un moment faut... Enfin t'es nul quoi. Bon, pas dire plus quoi. Il fait le mariole, c'est parti. On va tenter d'affronter le mec au milieu, le seigneur Fouedal, parce que là, il y en a marre. Est-ce que je vais le battre? Là les mecs, j'ai un peu plus de la moitié. Voilà. Tu penses que je vais gagner combien de trophées? Là, je pense que ça va être énorme, hein. Je te le dis direct, hein. 0 comme toi. J'ai gagné 150 000 bordel. 150 000. 12 000 gemmes, wesh. 12 000 gemmes. Mais attends. Abusé, mais t'es mal épée. L'épée violette. L'épée est violette. Attends, il faut 20 millions de win. Ah, ça va être chaud, hein. Ah, ça va être patate, hein. Ah, ça va être patate. Attends, je vais peut-être me prendre des nouveaux pets. T'en penses quoi de ce pets là? Magnifique. Oh là là, vous allez voir légendaire les mecs, 5%, 50%. C'est nul. Je vais faire ma princesse, c'est nul. Je suis fait escroquer. Attends, il donne combien? 31. Wesh, il donne x 31, frère. Lynette. Non, pas d'un V1. Non, mais il y en a marre. En fait, tu m'énerves. Dans un duel. Un samouraï n'abandonne jamais. Bah vas-y, c'est parti. Non, mais les mecs, je vous avais. Tu marches comme un concurrent, tu marches. Dis-moi comment tu marches, comme ça. Ok, bah vas-y, allez, vas-y là. Viens que je te défonce là. On m'a. Oui. Comme
Envoie dans l'Antarctique de Islande. Tu vas voir quand il y aura le Big Bang de Fortnite. On verra si tu fais encore l'Islandais là. Ouais, le Big Bang, t'inquiète pas que. Allez, vas-y. Ah, aïe, arrête de faire ce que tu fais là actuellement. Bah, en fait, mais tu mets pas d'entrain. En fait, regarde, tu mets pas d'entrain. Regarde, vous êtes carrément. Mais tu fais quoi, sale malade là? Vous allez voir. Attends. Non, mais arrête, Lainette. Mais je me bats. Non, mais arrête de te battre. Je suis comme un père avec son gosse. Je dois faire semblant que tu me battes parce que là je galère un peu là. Mais tu fais pas assez de bruit en fait, Shawen, quand tu te bats. C'est que t'es nul la vidéo, je pensais que t'allais être meilleur. Tais-toi là, tu m'énerves. Non, mais ça va ou quoi là? Non mais vous savez quoi les mecs, il m'énerve. Je vais affronter le mec au milieu et je vais rebirth. Oh là là, il va retourner au premier monde de nul. Mais non, j'ai envie de t'affronter à niveau égal. On fait cela ou pas? Cela, non mais je te prends pour qui? C'est pas parce que je parle bien français que tu dois forcément insulter les nobles. Ah bah les nobles, je suis désolé, avant d'être noble, il s'agirait d'être un samouraï. Et actuellement, tu n'es pas vraiment un samouraï, si tu vois ce que je veux dire. Et bah je suis quoi alors? C'est quoi ce racisme de classe? Et bah c'est pas du racisme de classe, ça s'appelle l'extrême droite. Là. Viens te battre, je suis là. J'ai 2 millions de puissance, ça va non? Bah oui, sauf qu'actuellement, je suis dans le premier monde, donc bon. Et pourquoi tu fais comme moi? Mais non, mais Shawen! Parce que j'ai voulu rebirth, mais au final, ça marche pas, donc bon. Du coup, là, t'es bloqué là. Pas bloqué, je suis Keblo, c'est pas la même chose. Bah je reviens, je dois revenir, je dois chercher Fiona dans Shrek. T'as combien là? Bah 72 depuis. Non, le problème c'est que pour rebirth maintenant il me faut 200 000. Bon, on fait semblant. C'est pas un problème, on va faire semblant. Okay. Allez hop, c'est parti mon kiki. Alors, les mecs, le combattant t'as attendu les mecs. Aujourd'hui les mecs, je vais devoir élire si Shawen pourra devenir un samouraï légendaire. Comme vous pouvez le constater, Shawen est en train de me mettre des sacrés torgnoles et ça fait mal. Ça fait très très mal, ouais. C'est vrai que là, Shawen il donne pas mal, hein. Donc si vous êtes à ce moment de la vidéo, les mecs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que là, ça va se passer mal en 3, 2, 1. Voilà, ça déblaye, magnifique. Quoi, non, mais t'es un chien, non, mais vraiment, j'espère qu'ils sont abonnés, hein, parce que là, vraiment, je suis mort pour me faire humilier, hein, vraiment. Les amis, vous savez quoi? Si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez devenir un samouraï, oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, oubliez pas votre like, et je vais laisser. Bah non, ça sert à rien de te laisser te battre parce que tu vas jamais me battre. T'es vraiment une catastrophe. C'est pas faux. C'est Lainette et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, donc partage à tous tes potes, ou bien même à ta daronne. C'est Lainette et Shawen. C'est Lainette et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, sinon je te mets une steak.